Délivrer pays pas jamais facile. Bataille pour délivrer pays pas jamais faite avec monde qui peut mourir. Bataille pour délivrer pays pas jamais faite avec monde qui peut marron, qui peut prison. Bataille pour délivrer pays la faite avec monde qui gagne sans papa de saline dans venue. Et ceci, c'est bataille ça qui déclenche en face coalition d'assassins yo, groupe criminel yo qui tuait 58 président paysan qui c'est président Jovenel Moïse dans 6 privé 7 juillet 2021. Définitivement, bataille a été lancée. Et quelque part, nous sommes capables de voir que nous avons des résultats que nous commençons à jouer. Bien que dans pile diversion, mais nous pas peur. Si 17 mois après, nous sommes jeunes campés, ça veut dire que nous n'avons pas de peur. Nous, c'est Info Beto. Peu haïtien, à la pnou à la pareille. Pile parole pour parler, n'a pas fait coup de tête justement dans le pays Canada avec Booster John TV et Stanley Lucas. En pile parole, pour aller parler, papa, ici, sur la plateforme Panouan, qui c'est la plateforme YouTube, Info Beto. Parce que définitivement, ça gagne là comme situation, faut que chaque grain haïtien commence à mettre au niveau pour que vous preniez responsabilité. Bataille ça gagne là, nous disons ça clairement. 1er janvier 2022, son j'aime te annoncer nous, bataille pour nous délivrer le pays. Nous pourrons commencer à sensibiliser, mobiliser, motiver la diaspora haïtienne pour nous faire comprendre l'importance dans cette bataille pour nous délivrer le pays. Nous pourrons sensibiliser les haïtiens qui sont vivent dans la coupe d'Haïti pour nous faire comprendre que c'est important, extrêmement important, de mettre main dans la bataille pour nous délivrer le pays. Et bien effectivement, je vous dis, nous 12e mois d'année, et bien c'est fait mobilisation, sensibilisation qui arrive. Ça veut dire que la vraie bataille, nous pourrons lancer à partir de 1er janvier 2023. Et ceci me dit nous clairement, bataille ça n'est pas petit du tout. Son bataille clair, et ça fait que nous avons allié Booster John TV, Madame Sarah, Foucault Taxi 9, Jimmy Mona Femme TV, toutes les amis nous parlons les pays. Booster John TV, Madame Sarah Stanley Lika. Avec la résolution 2653. Très bien. Nous avons dit tout que les app appliquer sanctions, il faut appliquer les pour manger. Moun ki nan touye président, moun ki nan gang, nan trafic zam, nan drogue et nan violence politique en Haïti. Et premier bay nous. Oui. Deuxième bay nous te dit dans l'émission, nous te dit que si y a fait sanction tout bon, il y a 16 catégories de moun pou yo cibler. Nous te dit oligarque yo 15 à 20, nous te dit ancien président gen 3 et moun ki nan gouvernement gen 13, parlementaire en fonction gen 3, ancien parlementaire 17. Moun ki nan système judiciaire gen 32 ou son nou te bay tout détail ça tout oui après ça nous te vini nous dit quatrièmement pour sanction pa gen menti la dan pour passer par jouet d'influence politique ou bien intérêt un pays seulement kap défendre dans sanction faut gon bay juridique en dan tribunal et quatrième bagay nous te dit que lè ou fin établi bay juridique là dans tribunal faut que tout bien yo saisi yo. Yo pa fè nou sa la Suisse te fè. La Suisse fin saisi kòb Duvalier et puis yo fon ONG kado kòb la. ONG Suisse. Oui. Nous même nous te di nou pa nan bay konsa. Nous di que quel que soit sa yo saisi a, c'est bien Haïti ke liye fò remèt li à travers le trésor public haïtien. Justement. C'est bien l'état ke liye. Donc c'est ça nous te di pour faire sanction. Donc nous même nan sa kap fèt la, nous gon problème fondamental avec li. Oui. Jusqu'à présent, oligarque principal yo qui met gang yo. Ba di nèg yo man yo va la dan non, ça m'a dit non. Et oligarque principal yo qui met gang yo dans pays d'Haïti jusqu'à présent yo pou man yo. A vle di que soit sur YouTube. Ou a pwè que comment Jimmy Cherizier alias Barbecue avec Tico qui sa boulos kon voye bali. Lò al sou YouTube et chien méchant avec Tico qui est qui connait Galil. Yo tout sur YouTube. Avec dit journée aujourd'hui a. Bon série de nèg tant que Dimitri Vob qui chef gang dans Matissan. Son bail qui écrit dans livre Zombie Files a côté yo expliquer comment nèg unité ça yo faut pas oublier.
qui écrit. Allô, allô. Question qu'on doit poser au Bousta. Qui j'en fait que nèg qui participe dans tout le président yo? Nèg et c'est pour ça que moi et Sarah nous t'ai parlé d'un bagage qui est très important. Faut nous faire une évaluation permanente des applications résolution 2653 pour nous voir que est-ce que son affaire politique cap régler en fonction des intérêts politiques conseil des pays dans pays d'Haïti ou bien est-ce que ça cap fait assez pour tout haïtien? Si la fait pour tout haïtien, résolution doit cibler 16 catégories de monde. Par exemple, catégorie qui gen la dan, blanc globaliste corrompu, kap kore oligakyo, nan Ottawa, nan Montréal, nan Florida, nan New York, nan Washington, nan Paris, nan Bruxelles, blanc corrompu sa yo, ke oligak kap voye 20 millions, 10 millions, 30 millions, 40 millions par mois ba yo, blanc corrompu sa yo pou ko sanctionne tout non? Ni blanc corrompu yo, ni oligakyo pou ko sanctionne. Et bon jouet non, goumè gen ap mene la men. Et vous allez nous pas pou pousser nan jè. En même temps tout gen des bagay que nous devons veiller parce que pour nous mêmes qui sous panel là nous mêmes qui discuter là nous voulons que sanction réussi pour sanction réussi yo doit gen crédibilité là dans li par exemple si dame Lavalasa qui chef cabinet adjoint premier ministre Trudeau qui te kon travail pour Aristide li pa ka travail sous sanction parce que lui même c'est règlement des comptes qu'il a fait et nous mêmes nous très clair nous bay 16 catégories nous doit oligarque 15 à 20 nous dou membre gouvernement 13 parlementaire en fonction 3 ancien parlementaire 17 moun ki nan CSPJ nan la justice et la trier et k ap protéger gang bien 32 ancien président ki nan gang 3 nous même nous bay tout net oui sans force côté mais journée jodi a jouet ti poussière ki a voye nan genouan et li gon problème la dan men et pa aucun effort ki fait pour que yo mène dossier nan tribunal men. Si on pa mené dossier dans tribunal et Bousta Sara, comment ça va passer? Ou gen droit ouais 8 mois passé là, tout nèg sa qui était sanctionné, yo vinn reprendre tout affaire yo encore. Ou va songe Jean yo te prend sanction contre André Michel et puis André Michel vinn reprendre tout affaire encore? Bagarre André Michel là, bon poton pour vous, bagarre André Michel là, André Michel sanctionné. André Michel te gagné même Jean yo te fait aussi pour comment les mon cher, pour ça m'a bon conseil ni ou même ni star, OK? Avec comité diaspora 100%. Ça qui important pour lui a pour nous pour pays a pas prendre coup et nous même cap goumen pour pays a depuis 17 mois. Ou même là Beto et Foucault, Yannick etc. Et bagay qui important là pour que nous même qui dans diaspora, nous mettons comité d'avocat de suivi de l'application des sanctions. Si c'est pas ça, puis t'as vu Tristande? Moi d'accord. Et mais y a pile l'autre bagage qui va venir là. Y a pile l'autre bagage. Jodi a. Bon exemple pour ça pour comprendre ça Mabdou là, ok? Canada a sanctionné Premier ministre Jacques-Édouard Alexis. Après ça, il est obligé de présenter des excuses. Après ça, il a accusé Premier ministre Yvon Neptune. Là devant Cour interaméricaine des droits de l'homme. L'État haïtien pas fait aucun suivi, yo vinn ba lectine raison sous l'État. Mon bon camarade Abdou la, moi même c'est marathon que m'a fait et pour ça moi m'a voir et Sarah nous pas jambe dans 100 mètres. Nous gétan wè kou yo à l'avance. Donc journée aujourd'hui, pour pas gen kou ki bay. Comité diaspora doit monter un conseil d'avocats pour là faire suivi application des sanctions yo en dans quoi Cour interaméricaine des droits de l'homme. OK. Et là maintenant nous connectons Premier ministre Justin Trudeau, Mélanie Joly, eh bien rendu directement aux États-Unis pour Chita et pour capable trouver un consensus pour capable aller en Haïti. Et ça moi-même moi pas approuvé parce que là maintenant, il y a parlé des élections pour capable faire un arrangement des élections en Haïti, mais maintenant il y a un bagage qui nous supposé comprendre tout. Et peuple haïtien pas fait aucune revendication à part de prendre la rue avec tifère en main yo. Bataille qu'a fait là c'est bataille nous même là international là. C'est pas bataille Haïti pour qu'on en bataille là. Je dis là nous même des demandes que nous même nous te fait.
et jusqu'à maintenant demande ça yo yo aller dans direction côté qui demande yo peuple la te fait là et sauf que c'est pas yo pas venir faire parce que pas oublier que pays étranger pas venir faire rien pour nous yo même c'est intérêt pas yo ouais mais nous même tout oui 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 non mais il y a gain trois bagages OK loi Canada pas appliquer c'est en fonction loi canadienne. Allez, voilà. Décret royal qui existait sous question ça au Canada fait que même là pour un avocat au Canada pour aller défendre tout à cause de gens décret royal là écrit on perdit à 98% et c'est pour ça que décision Canada prend et c'est notre cour interaméricaine des droits de l'homme qu'on va l'obliger à aller avec lui tandis que aux États-Unis gens loi américaine y est lorsque résident ou bien c'est citoyen américain niveau à pied élevé en matière de preuve juridique et légale. L'État les a nous consacré pour un comité diaspora, nous montons conseil d'avocats, avocats haïtiens au Canada et avocats haïtiens aux États-Unis pour nous faire suivi application sanction yo, c'est pour protéger intérêt peuple haïtien que me dit ça. Deuxième bagage qu'on dit dans question là qui très important, c'est ça relé le retour à l'ordre constitutionnel. En 17 mois, Ariel Henry montre clairement que li pa ka organiser élection libre honnête et démocratique dans pays a. Premier bagay li fait sans raison craser KPA. Deuxième bagay qu'il fait le fond discours le 7 février 2022 en dan discours li dit que peuple a pa konn choisi c'est li qui choisi. N'importe jeune kap tande la regarder discours réanalyser le pour. Donc li clair que Ariel pa ka retourner pays à l'ordre constitutionnel. Donc pour retourner pays à l'ordre constitutionnel ou besoin nouveau premier ministre de consensus avec 18 ministres. Bagay sa, mwen ma avou, Sarah nous discuter l'empile. Gouvernement interdépartemental là. Pour qu'il rétablisse la sécurité et puis vienne avec un calendrier électoral. Non délai pas dépasser 14 mois ou retourner pays à l'ordre constitutionnel. Oui. Parce que des autres, ça a fait là. Pas aucune décision sérieuse qui engage à Haïti, qu'on a pris pour Haïti sans un gouvernement constitutionnel, sans un parlement constitutionnel. Donc il faut réorganiser les élections pour un retour à l'ordre constitutionnel. Ariel organise. Donc question exactement. C'est comment pour joindre un premier ministre de consensus avec 18 ministres qui pour bon rétablissement de la sécurité et l'organisation des élections non délai pas dépassé 14 mois. Et c'est gouvernement ça tout capable permettre joindre un juge senti bon qui pour faire enquête là correctement sur assassinat président parce que sous pas faire enquête sur assassinat président et marrer tout blanc, tout oligarque et politicien qui touye président, 59e président qu'on va choisir dans l'élection, il y a touye le même genre. Bien mal. Exactement, Bertrand, une délégation et bien qu'a préparé, qui est à préparer qui comment une délégation a fait là c'est une préparation qui a en Haïti parce que yo suppose en Haïti jodi a qui 7, a fini le 9, mais par contre gon l'autre délégation encore qu'a préparé pour yo capable chita et nous connaît comment pays a déjà et nous est pays a comment qu'il y est. Est-ce que normalement, là, avec Ariel Henry, Berthaud, et nous capables d'aller en élection avec Ariel Henry? Voilà, et tout d'abord, m'a salué Bousta John, m'a salué Madame Sarah, et m'a salué Stanley Kaki sous panel là, et m'a salué toute famille. Salut Berthaud. Toute femme salue et me salue toute femme avec Somio qui exactement est retrouvé en bas live là. Normalement, Bousta, nous est exactement ça qui a passé, hein? Nous est que délégation est débarquée en Haïti, mais pour elle faire qui ça? Et pour aller négocier ensemble avec des acteurs clés qui l'ont parlé des acteurs clés qui est sur ça veut exactement moun 86 yo l'ont parlé d'acteurs clés ça veut dire moun qui mettait Haïti dans trou côté lié là c'est eux même qui acteurs clés c'est avec eux que on va parler ça veut dire que définitivement me senti que c'est moun qui traîne dans la boue et dans meilleur quand on va chercher solution franchement pas solution hein? Et c'est exactement même bataille ça que Stanley qui a parlé hein, que et gouvernement interdépartemental là qui commise 100% diaspora avec Boussa Djo madame Sarah a poné hein? C'est seul moyen moi qui cap que nous capable comme si m'a dit et si garder l'anté là-dedans pour nous garder comment nous capable débarrasser pays à des groupes moun sa yo pour nous doter pays à nos groupes moun qui plus ou moins de crédibilité ou du moins qui crédible pour faire pays en tourner retourner à l'ordre constitutionnel sinon m'pa bon menti Canada c'est laver merci à tel attaque l'a fait et comme si m'ta dit sanction qu'elle dit la prend yo c'est encore lui même l'a dit la prend sanction à gauche et encore l'a démenti pour peut-être quelque part en avance et Canada choisi ambassadeur qui au gain dans Nations Unies qui relé Bobré OK pour mener délégation en Haïti. Faut pas oublier que c'est monsieur
dans mois d'août qui s'est passé a qui t'ai traité peuple à ridicule. Les peuples a été dit que communauté internationale l'a cherché mettre chaos en Haïti pour faire une intervention militaire. À titre ça sous nouvelle sous gain doit regarder. Donc je ne dis a l'a dit que ou pour une délégation en Haïti pour aller rencontrer les acteurs. Moi même on des formations professionnelles, on toujours regarder qui ça s'est fait avant. C'est un secrétaire général adjoint Organisation des États américains qui était le Luigi Einaudi. Nous c'était qu'on monter toute la journée monter descendre dans négociation. Finalement Aristide obligé de démissionner. Journée aujourd'hui à regarder à qui acteur qu'il va rencontrer. Qui est-ce qu'il va rencontrer? SDP, Unité, MTV, Petit Dessaline. Alors dit que là tout le monde qui va faire chita réunion avec yo. Ou société civile qui n'a pas Montana. A Montana tellement pas représentant rien dans toute manifestation qu'a fait dans pays a pendant 14 mois qui sont passé là, pas bon monde qui dit mettez plus de premier ministre, non? Jamais. Bien qu'on solide ça. Pas jamais bon monde dans manifestation qu'a relé moi mettez plus de gens, non? Indique Gusta monde que mon yo va rencontrer là, ils font partie du problème et ils n'ont pas de légitimité électorale. Non, oui, même si c'est que yo touye président qui a cherché gouvernement de transition, c'est parce qu'ils sont incapables de gagner des élections en Haïti. Oui, mais c'est pour ça tout, Stanley, plateforme politique de la diaspora haïtienne et 100% diaspora. Et là, on a parlé de 100% diaspora, qui est plateforme politique de la diaspora haïtienne, plateforme PDH. C'est yo dès qu'il y a eu ensemble, qui en d'un mouvement, c'est plateforme-là qui maman. Eh bien, là, Sans pas couper parole, Gusta. Travail que diaspora doit faire pour la diaspora qui est actif là, qui a parlé de lui là. Oui. Journée aujourd'hui, équipe diaspora ça doit faire. L'idée doit déplacer à l'Haïti, entrer dans chaque département, parler avec des organisations de base dans chaque département, pour demander qui moun yo fait confiance dans le département. Et c'est qu'on s'en parle avec proposition gouvernement interdépartemental là qui a pour représentatif de 10 départements. Laisse ça, oui, mais qui pas représentatif, il va pas marquer point sur. Oui, mais c'est exactement, c'est ça qui fait. C'est peut-être ça que décision plateforme PDH 100% diaspora qui mettait là ensemble pour y avoir bien déterminé, qui décortiquait, mais n'est-ce pas tellement mouvement yo pour dépasser, yo exclut complètement. Non, mon cher, regardez, bon bagay. En politique, exercice que n'a fait là, son simulation que n'a fait pour nous garder qui ça cap vini, qui j'en a vini et qui j'en pour nous parler pour lui. Dans le diagnostic qu'on fait dans l'émission yo avec Sarah, nous gétan wè que pas grand sérieux qui ka sorti avec nèg ki chita Port-au-Prince. Non. Nous connaît que mais quelque soit solution que vous sorti avec nèg Port-au-Prince yo li pral éclater dans figure non délai pas dépasser 90 jours à cause de dégradation socio-économique pays a inflation à 45%, réserve dollar fini manger nèg y a pété mettre prix et mettre comme sous gaz là en plus de ça vous mettez manger tête nèg avait dit que nous connait qui ça pral vini problème qui pral arriver à fait que si diaspora qui travaille sous ça pas déplacer à l'un département yo pour faire des rencontres avec des associations. Côté chaque association dans le département, on dit, mais deux ou trois personnes qui ont fait consensus sur yo, qui pouvaient mettre au moins, même si vous avez neuf départements, son gros réalisation qui est lié, laisse ça, l'OAL fait proposition, ils sont propositions représentatives qui ont légitimité. Et c'est pour ça qu'il y a diaspora quoi parler de l'IA. Si on bagaille qu'il doit faire avant la crise là, elle pète dans le Figino en février, c'est travail ça qu'elle doit faire pour l'IA. Et Jasper a tenu ça en Haïti, et nous capables de pour le faire travail exactement aujourd'hui là. Il y a des noms qui sont préparés là, et ça va être pour ça, sans pas couper parole, il n'y a pas fait Jean-Maurice Jean-Charles de faire ça. Non, il faut lui faire un bagage bien organisé, par exemple, pour descendre dans le nord-ouest. Ou dit que groupe diaspora dans le nord-ouest, n'importe quoi, de telle date à telle date, n'a fait deux jours seulement. Tout le monde qui est dans le nord-ouest, toute association, on rencontre telle date dans le port de paix, on rencontre pendant 5 heures de temps, tel jour de telle heure à telle heure.
Kouli a les réunions fin fait bon consensus. Ou fait même bagaille nan nord, nan nord-est et la tri. Mais si là le fait tant kou moun, Moïse Jean-Charles fait, côté Moïse Jean-Charles avec deux, trois moun, c'est eux même qui a choisi moun, bagaille ça a échoué à l'avance. Et pour ça, moi même toujours baye conseil ouvertement avec un pile transparence pour bagaille yo carré ici. Très bien, très bien. Exactement. Il y a pile belle bagaille qui fait là. Mais sauf que cette fois-ci, nous pas capables de rester pour nous prouver que Canada va rentrer pour demander pour mettre élection. Gon bataille que nous allons faire là encore. Parce que nous pas capables de quitter Canada, même les lapins travaillent là devant nous. Mais même côté, nous pas quitter ou venir brouiller plus là la main nous. Maintenant, le gouvernement départemental là, c'est le même qui vous sauvez le pays et c'est le même qui vous mettez l'ordre. Eh bien, pour mettre le pays là en direction constitutionnelle automatique. Parce que présentement là, direction constitution avec ça, il y a un peu de problème. Et c'est le même qui a enlevé la vie président Jovenel Moïse. Constitution ça là. Maintenant, nous connaissons qu'il faut que nous travaillons sur un référendum. Présentement, le gouvernement départemental là, il y a un but bien déterminé. C'est bail pays à ça qui appartient à pays. C'est retirer ça qui l'emmène. Les gens qui ont des pays à pour remettre à pays. Je dis à yon peuple en don pays, comment pour le faire pas à manger pour tête li? Comment pour le faire pas à travail pour tête li? Ou son secteur privé, mais secteur privé là, faut qu'on gagne un minimum. C'est bon maximum pour gagner. Yeah, parce que tout pays. Mais oui, c'est pour oui. Ça, et agenda. Son agenda simple, pas compliqué qu'il y ait. C'est sur plusieurs rails qu'on travaille. Et malgré qu'on travaille sur plusieurs rails là, bon grain de dénominateur commun que n'a dit à la fin. Premier rail là, c'est s'allier. C'est le rétablissement de la sécurité. Ça est premier rail là. Deuxième rail là, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Dans deuxième rail qui retour à l'ordre constitutionnel, ou gain référendum avec constitution que commission indépendante préparée à. Ou gen élection législative et présidentielle non délai pas dépasser 14 mois. Ça est deuxième rail là. Troisième rail là, c'est et bagay affaire courante tant kou réduit la vie chère et petit problème social que peuple a gagné, question d'éducation etc. Quatrième rail là, c'est mettons juge sérieux qui pour enquêter sur assassinat président Jovenel Moïse pendant on a nettoyer pouvoir judiciaire. Pour tous les quatre rail ça. Son green bagay qu'on besoin pour que le possible tout autant qu'on pas un premier ministre crédible avec des ministres crédibles ou pas qu'a fait quatre rails donc journée jodi a premier consensus pour bâtir pour monter gouvernement crédible comment chaque département kabay deux moun pion garçon et diaspora kabay et 4 à 6 moun nan mitan 26 moun ça yo choisi premier ministre avec 18 ministres c'est eux même capable appliquer agenda qui sous quatre rails là. Oui, mais c'est exactement ça parce que problème, c'est ça qui va être tout problème ça. Oui. C'est gouvernement départemental là vient d'interagir, il y a un peu de travail qui fait là-dedans et explication autour et puis international la comprendre tout et c'est ça qui va en pile problème parce que nèg yo en dans pays yo peur gouvernement départemental là. Même père il est blanc yo parce que et blanc ont agenda. Parce oui, ont agenda. Regardez ça ambassade, ancien ambassade américain Port-au-Prince. James Foley écrit en faveur groupe et Montana et en même temps en faveur intervention militaire. Regarde des anciens ambassadeurs américains et Pamela White écrit en faveur Montana et intervention américaine. Regarde ça ambassadeur Dunford écrit et puis regarde des positions sous secrétaire d'État lui-même Cap Corée Ariel et vous regardez qui ça cap passer dans bureau premier ministre tout dans Canada où est que il y a plusieurs agendas dans communauté internationale là. Oui, donc c'est pour ça que même en tant qu'Haïtien, si ce n'est pas nous-mêmes qui baillons une proposition crédible par rapport à GFO transparence pour le gouvernement interdépartemental là, nous allons gagner une formule de remplacement d'Ariel Henry qui va créer plus de crise au lieu de solutionner crise. C'est exactement là que nous-mêmes nous chita là. C'est vraiment nous chita pour que personne n'a vu mettre élection en dans le pays d'Haïti avec Ariel. Aller l'élection avec Ariel Henry, automatiquement, c'est le même peuple là, nous tournons encore. Ariel Henry n'a pas aucune crédibilité pour être capable de poser une élection, parce que j'en ai dû faire pareil là, dit hors de la Constitution. Nous-mêmes, nous disons que pas aucun problème, selon la Constitution, pas à supposer gagner ça ou être pas dans le pays là, dans le moment où Ariel monté, c'est une transition. Pas supposer qu'il y ait transition. Maintenant, nous disons pour terminer transition dans le pays,
Maintenant, c'est tout le département qui va mettre des têtes ensemble pour choisir et pour prendre des décisions pour le pays. Parce que chaque département est différent. Mais c'est pour nous décentraliser le pays d'Haïti. Pour que chaque département... Et c'est même ça qui est constitution. Exactement. Cela veut dire que c'est la belle que nous y est. Mais nèg ça eux qui toujours faire résistance. Pendant que nous-mêmes nous faisons résistance. C'est pour ça que nous avons des têtes haïtiens même qui impliqué au plus dans la bataille là. Parce que nous voulons ouais le peuple haïtien. Parce que qui est-ce qui va le pouvoir aujourd'hui à ce peuple-là? Aujourd'hui, nous devons faire ça pour camper. Donc, oui. Bousta, nous sommes abdias là. Oui, et c'est vous-même à Sarah qui commencez par le peuple-là, mot d'ordre dans le cadre d'éducation politique qui n'a fait. Anessa, qui je n'ai pas géré Ariel dans le Mupana et dans le Gonaïve? À la première question, le 1er janvier. Qui je n'ai pas géré Ariel le 1er janvier dans le Gonaïve? Deuxième question, qui je n'ai pas géré 7 février? Tout ça, troisième question, qui je n'ai pas géré carnaval là? Tout ça fait partie de planification. Parce qu'il faut intégrer agenda politique en dans réalité historique, sociale pays. Réalité culturelle pays. Donc, première réalité historique et culturelle là, c'est 1er janvier à Nangonaïve et devant Mipana. Deuxième, nan, c'est 7 février. Koulia, exactement, par agenda ça pour un gouvernement interdépartemental là, et qui démarche politique qui doit faire en dedans pays à. Et dans quatre délégations Canada qui a rentré à, qui gens pour faire rencontrer à l'autre monde qui pas fait partie de secteur politique qui pas gain légitimité et qui dans coup d'état. Avec dit que l'autre gens nèg yo organisé, gens oligarque là organisé Port-au-Prince. Oligarque là organisé société civile pal avec des trois petits monde dans Montana. C'est au pral rencontrer à délégation Canada. Oligarque là organisé à Copen. Oligarque là organisé sali public. Oligarque là organisé à 11 septembre. Oligarque là c'est lui pral organiser rencontre avec et sacrété dans sénateur. Oui. Donc je ne veux dire alors prend monopole que oligarque a créé en dans négociation qu'a fait yo avec des monde qui pas gain légitimité comment pour dégager à travers contact qu'on gain Canada pour que justement yo ka rencontrer des monde les rive sous terrain qui pas fait partie de secteur ça. Exactement, c'est là que plateforme PDH et 100% diaspora je parle Chita pour une grosse décision pour pays d'Haïti parce que maintenant là des décisions changement pays a les mêmes plateformes PDH 100% diaspora c'est qui parle Chita Capchita avec Chita avec contact Kogen ou même à Sarayo c'est comment pour insister que même on cap constituer délégation départementale yo pendant au Port-au-Prince faut que rencontrer délégation départementale yo laisse ça changer dynamique de représentativité de légitimité a. Oui, mais bientôt là, nous allons voir, parce que maintenant, nous connaissons que nous avons fait un pile mouvement. Mais nous disons que nous avons une délégation au Canada qui nous est en Haïti, là, sont qui sont des jouets, parce que nous n'avons pas accepté à l'élection avec Mounsayo. C'est vrai que la plateforme PDH et 100% diaspora, nous-mêmes nous disons, nous mettons les pieds nous à terre sous béton, nous demandons des populations haïtiennes, non? Camper avec la plateforme PDH et bien 100% diaspora pour nous capables de bailler Haïti. Ça que yo même yo pas vle ya. Présentement yo pas vle changement. Mais et, nous même nous vle changement. Bon, bon ajoute ton bagay Bousta. Ajoute. Faut pas reler le jouet. Parce que comme communauté internationale là, c'est un con éléphant qui lié. Oui. Li difficile pour faire virer non direction que la droite, que la gauche en par rapport à la direction que yo pral aller ya. Si yo descend en bas, yo rencontre amoun yo. Gen des conclusions yo fait amoun yo, c'est ça yo fait avec moun sa yo en matière de conclusion qu'après l'appliquer. Et c'est pour ça qu'on va créer crise puis devant. Donc ça m'a dit là, c'est pour éviter crise puis devant. C'est pour que rencontre qu'il y a fait yo, c'est des rencontres avec des monde qui gagne représentativité et légitimité. Et c'est pour ça qu'il est important que avec tout contact qui gagne yo, faut qu'on nous insister que si on pas rencontrer des délégations départementales, monde qui a rencontré pas gagne représentativité. Si ça pas avec monde Port-au-Prince ou Chita. Et l'on va arriver dans fin mois de mars, bagay la va péter dans figure et puis intervention militaire va retourner sous table là. Mais c'est là que nous-mêmes nous demandons plateforme PDH et sa diaspora, c'est là que nous demandons puissance là. Et c'est là que nous demandons population,
présentement là, nous pas qu'à aller en élection avec personne. Nous pas qu'à aller en élection avec personne. Maintenant, c'est le moment pas nous pour nous changer le pays. Et le moment qui est en l'amène nous, et nous-mêmes, nous comprenons déjà. Maintenant, nous jouons ce qu'on a fait avec les Haïti. Maintenant, si nous disons que nous disons que le moment pas a fini, maintenant, pas le pays a eu chance pour nous délivrer. Vous savez, faut faire attention, parce que dans le langage jargon, qui est très important. Nous-mêmes, nous prenons en élection et dans retour à l'ordre constitutionnel. Nous pas voulons élection avec des nèg qui veulent coup d'état électoral. Ça va dire même tout pas dire qu'on ça va prendre en courir même parce que pas de problème ouais nèg yo bon gens oligarque là c'est pour ça oligarque là dangereux parce que moi même sans ça dit là me comprendre ni très clair mais oligarque là va servir avec lui on l'autre gens c'est pour ça nous même dans dialogue pas nous et dans position pas nous ensemble cap défendre bagaille là depuis 17 mois nous voulons élection nous voulons retour à l'ordre constitutionnel mais pas avec nèg qui voulait faire coup d'état électoral. Exactement. Mais, ok, bon, on va aller plus clair. Parce que le gouvernement départemental là, il est pour but de préparer et mettre l'ordre constitutionnel là pour élection dans le pays. Mais pas avec Mounsayo. Ça veut dire, même peuple en Haïti, ils n'ont pas accepté personne dans Mounsayo. Tout pays a mandé, ils ont 109. 109 dans le pays. Alors, Bousta, où est-ce qu'on a parlé à gagner des précisions pour faire sortir qui est très important pour nous mentionner? Nous-mêmes, nous pas écarté personne, non. C'est là qu'on nous dit que le gouvernement interdépartemental là, l'a bien moun représentatif de département yo, mais oui. Avec nous-mêmes, nous pas mettre personne dehors. L'élection pral fait, tout nèg qui voulait participer dans l'élection a bien chance yo. C'est là ça pral wè qui est-ce qui vaut qui ça souterrain. Donc dans ce sens là, nous-mêmes nous pas écarté moun, mais nous voulons que le gouvernement interdépartemental là son gouvernement indépendant. Tout le monde a une chance pour aller dans l'élection pour demander au peuple à voter pour vous. Conseil de Nekoukou André Michel, nous songeons que dans la dernière élection qu'il est allé, il n'a pas fait deux votes par département. Tellement, ce n'est pas une représentativité à travers le pays. Tout le monde a bougé, qui a crasé, qui a brisé, qui a créé des gangs, qui a fait des problèmes pendant le pays. Next, il est allé dans l'élection déjà, il n'a pas voté, c'est pour ça qu'il a fait le pays. Donc, je dis à toute explication, il faut que vous ayez un avec le monde qui parle. Mais n'a pas plus belle explication hein tel que il y a un monde qui sanctionné il y a un monde qui gagne dossier sous dos il pas capable présenter l'élection automatique ça ne pas besoin d'être bon, mentir là-dedans au niveau légal et décision que Canada prend il pas gagner aucun valeur juridique en Haïti c'est pour ça m'dou si nous-mêmes nous pas nettoyer système judiciaire à caille nous pour que ce système judiciaire nous qui vienne prendre décision et les décisions ça reprendre dans système judiciaire effectivement moun n'a pas ka reparet les sa gon l'autre dynamique mais décision que Canada prend appliquée à Canada li pa valable en Haïti c'est pour ça yo parler de souveraineté nationale donc nous même mais s'il pas appliqué ta excusez-moi bon li pas appliqué et puis yo ferme compte des banques moun yo parce que Canada prend décision Stanley non parce que son compagnie canadienne qui lié soje banque son compagnie canadienne l'oblige à appliquer sa Canada mandé mais on pas ka appliquer là toutes les institutions haïtiennes. Si c'est pour ça, nous pas gain souveraineté politique ni juridique ni souveraineté nationale mon cher. N'importe quelle décision Canada t'a prend, nous t'a pas appliqué le concours, nous c'est une sorte de colonie du Canada. Haïti n'est pas une colonie du Canada mon frère. Ouais, mais par contre, nous gain accord avec le Canada. Si Canada sanctionne un monde, nous quoi nous gain tout droit nous pour nous enquêter sur monde ça. Bon, c'est pour ça l'air t'es sanctionné Jacques-Édouard Alexis, pas de aucune institution dans pays qui t'ait fait rien contre Jacques-Édouard Alexis. Parce que pas de monde qui t'appelle tout. Attendez non. Léal présente dossier, il est obligé de présenter des excuses à Jacques-Édouard Alexis. C'est même pas de doute à Léa pour Premier ministre Yvon Neptune. Donc c'est pour ça que Léa Mabdou, combat qui n'a pas mené, c'est à la fois un combat politique et juridique. C'est pour ça que Léa Mabdou consacré, faut que le comité de diaspora, bon conseil d'avocats haïtiens en Haïti, d'avocats haïtiens aux États-Unis et d'avocats haïtiens au Canada, qui pour faire suivi de l'application des sanctions dans l'intérêt démocratie et voilà. Juridique que nous voulons bâtir. Normalement, Stanley, normalement, si on paye pour sanctions, c'est parce que Haïti n'a pas de monde dans l'État. Automatiquement, pas de monde dans l'État. Parce que un pays qui a accord avec un autre pays, prend sanction des crimes qu'a fait dans le pays à Stanley, maintenant, il a retrouvé le monde coupable. Coupable de ça, yon fait en Haïti. Maintenant, sanctionné. Des relations internationales. Par exemple, là,
les États-Unis prennent des décisions contre la Russie, et pardon, contre l'Iran, mais où est conseil des pays, tant que la Russie, tant que l'Inde, tant qu'on sait de l'autre pays, qui a collaboré, l'Allemagne, qui a collaboré avec l'Iran. Donc, et dynamique relation internationale là, c'est bon bail qui est facile que lié. C'est pour ça que ma prévention ouais, de dit à l'air. Pour nous-mêmes, nous soutenons ça nous lié. Pour nous battre l'État, pour que le comité diaspora prenne un avocat en Haïti, un dit trois avocats en Haïti, trois avocats aux États-Unis haïtiens américains, trois avocats haïtiens canadiens, faire au travail ensemble pour nous faire un suivi de l'application et des sanctions de la résolution 2653. Si ce n'est pas ça que nous faisons, Pita Bitris. Moi, je comprends ça, Diatenle, et je vais aller plus loin que ça encore, parce que c'est pour ça que moi-même, je connais. Et quand il s'agit des pays, un pays, c'est pays et pays. Le pays prend sanction contre un pays, on l'autre pays capable toujours collaborer avec le pays, ça. Mais quand une sanction posée sur un monde, un grand monde en d'un pays, mais pays, c'est doit parler, même justice-là, pour aller enquêter comment que ou même ou retrouver coupable en d'un pays, ça. Bon côté, pas Haïti, yon même droit par yon, Haïti, monde qui sanctionne, yon, c'est pas pays d'Haïti qui sanctionne. Yeah, si mais c'est pour ça que nous t'allez, jusqu'à présent, Canada pour qu'on baille ministre affaires étrangères, nous, aucun documentation sur le monde qui est accusé. Est-ce que vous faites des mandats avec tout? Permettez-moi, Canada pour qu'on jambe baille documentation juridique sur le monde qui est accusé. Et c'est pour ça que nous, le premier bail Canada doit faire, c'est communiquer par le système judiciaire haïtien, documentation que vous avez sous sanction par rapport à moun qui voulait appliquer sanction sous lui. S'il pas fait comme ça, il va créer des problèmes dans le futur. Est-ce que vous ça que vous dites, je comprends très bien. Approche qu'on fait là, ou qu'on est qui, automatiquement, Canada se fait sanctionner les haïtiens, c'est au gouvernement haïtien qui peut demander qui ça a passé là. Non, mais gouvernement haïtien, on va avoir une déclaration. On va avoir une déclaration, gouvernement haïtien. Ça m'a doué, man. On va avoir une déclaration. Mais c'est ça, nous tous, c'est là. Bien, c'est la même direction, oui. Tout est là, ça, c'est parce que pas de monde en Haïti. Oui, ça m'a doué, c'est d'accord. Voilà. Oui, attendez, ça m'a doué. Voilà. Gouvernement haïtien dit jusqu'à présent, il ne faut pas recevoir rien. Voilà. Est-ce qu'elle oblige à tendre? Est-ce qu'elle fait des mandats là tout? Est-ce qu'elle fait des mandats là tout? Est-ce qu'elle fait des mandats là tout? Exactement. Nous, qui ça y a ouais, nèg yo pas sou fè pays. Nèg yo non, mais c'est ouais, gade un exemple pou bay la ki clair Bousta. Voilà. Dans sa nan kata Miandal la, c'est Bertrand Dossier qui fait des CPJ retirer mandat Interpol international qui te gen contre Miandal la. Voilà. Parce que même yo te fèl, mais yo t'ap tann une direction pour mander et même payer. Non, mais mander un film d'elle. Non, mais c'est un exemple pour montrer, OK? Faut pas oublier que gouvernement qu'on gagne là, c'est oligarque qui mettel. Voilà. C'est peut-être oligarque qui mettel qui fait que mandat international qui te gagne via DCPJ sous Sami Andal, c'est ministre justice que Dimitri va mettre à faire retirer. Exactement. Mais c'est peut-être ça tout. Nous-mêmes nous avons dit. Donc tout autant gouvernement interdépartemental en premier ministre qui a fait suivi bagayo et a dit que c'est vous et Washington Glory, man. Et maintenant, pour ça que nous avons dit là, parce que nous-mêmes, notre vie, et nous, peut-être, que la plateforme PDH, et puis 100% diaspora, il y a un plus gros travail qui est supposé faire là, parce que le moment, ça là, c'est pas le moment pour que nous gardions nous encore. Parce que nous avons joué avec aussi, nous avons gardé le Canada qui voyait une délégation, qui voyait l'autre délégation là. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ça. C'est sanctionner les gens, retirer les gens pour nous exclure de ça qui est en Haïti. Et on a des bagages tout seul. On a gardé tout. Regardez bien. Il y a des bagages qui avancé là. Donc, nous mettons ça très clair dans la tête. On a pour que nous disons que en Haïti, à cause des sanctions au Canada, eh bien, des gens obligés exclus de la politique haïtienne. Nous ne pouvons pas avancer sur ça encore. Parce que tellement de bagages derrière dossier ça. C'est le parce que l'air a couru, tellement que bagaille d'elle. Mais là maintenant, qui sont dit avec plateforme PDH, pour sa diaspora, Stanley et Berto, pour travailler ça, pour implication, pour que y ait plus paraît devant le peuple, et que tout département, qui vont commencer à mettre en place. Oui. Pour conclure, moi, oui. Premier bagaille là, plateforme diaspora a demandé, et pour qui ça blanc, dans toute sanction qui a pas appliqué, pas j'en parle de justice pour le président Jovenel Moïse. Qui ça blanc okay. A caché dans l'assassinat président. Et jusqu'à présent, dans l'assassinat président, tout ça qui a fait là, que le 26-53, que le 26-45,
li découlé de assassinat du 58e président d'Haïti. Jusqu'à présent blanc yo poko di nou ki blanc qui participe dans tout le président. Moi même pousser ça, li pa bandre nan jem. Moi d'accord pour sanction dans pays d'Haïti, mais faut que blanc yo di qui blanc qui participe dans tout le président. Parce que son accord que Haïti signé avec blanc yo pour renforcer sécurité, yo servi avec accord pour venir tuer président la caïmen. Faut que dim pièce. On pense si on était tout un président Dominique, un président aux États-Unis, Canada, ça passé comme ça? Jamais. Ah, moi, c'est la première question. Deuxième question, l'on pas appliqué sanction pour qui ça nèg qui te commencé à mettre gang yo. Parce que, mémoire nous pas coûte, pour nous rappeler blanc yo que gang yo commencé avec pays lock. Effectivement. C'est André Michel, c'est Nenel Kassi, c'est Kato, c'est Valier Beauplan, c'est Rika Pierre, sous l'autre Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, Réginald Boulot, c'est Latrier. Calme te gang nan la rue pendant pays lok ki boule 15 commissariat. Kal attaque ministère la justice, kal attaque ministère finance, kal attaque primature avec fantôme 509. Donc blanc yo jusqu'à présent, nous wè tout nèg ki t'ap boule commissariat gang ki créé 400 marozo, ki t'ap fè réunion planification à 400 marozo pour touye président Jovenel, info Beto fè un belle émission avec Vitel homme ki bay tout détail ça yo. Oui, en fait que Vitel homme dit que Josué Pierre lui invite le dans réunion dans palais pour venir discuter séparation pouvoir après que au fin tout le président Jovenel. Sanction jusqu'à présent parce qu'on parler là et Dimitri Vobli il beaucoup soulissant. Kato pour construire là, André Michel, Evalier Beauplan pour construire là, Rika Pierre pour construire là. Râler ça yo, c'est là dedans yo là, et puis là que nous même nous dit bat. Après assassinat président, comment faire que tribunal pénal international là qui t'a doué enquêter sur assassinat président même j'ai été fait dans pays Liban pour qu'il ça blanc yo refuser mettre. Faut nous rester focus sur ça nous voulez direct. Exactement. Mais c'est ça qui nous demandé et la femme PDH avec 100% diaspora pour nous remettre en branle. Parce que ça va passer, ça que les gens veulent faire, dit pas passer. Et c'est peut-être ça, nous dit peuple haïtien tout. Nous voulons changement, c'est le meilleur changement. Et nous, un pays à tout ou ni le moment, tout à référendum de pays à tout. Demandé, côté rapport FBI là. Côté rapport FBI là, men. Ça m'a dit, département d'État a voué dans le Congrès comme rapport FBI là. Qui va aider pas jamais, qui va gagner là-dedans, men. Côté rapport FBI là qui te doit parer depuis 3 mois. Mon cher, on a fait couvrir ça là et article Miami Herald sorti aujourd'hui a montré que jusqu'à présent, assassin qui touye président a pété sale cadavre. Les nègres vivent avec vieille histoire menti, c'est 45 53 millions qu'a président. Tout ça fait partie de propagande force opérationnelle, nous pas prendre là-dedans yo. C'est nèg capé c'est pour prendre là. Exactement, nous pas voilà dans yo. Mais j'ai essayé ban un gros calotte d'une aujourd'hui là, ça le cadavre président. Yo pensé nous t'a prendre la dedans même. Mais jusqu'à maintenant nous capable dendu et force Berto faut tirer les vos noms et puis parce que les la course. Très bien et moi t'entends toute intervention mais même ça que m'a dit nous sur tout point ça yo et pour nous conclure c'est que tout parler nous parler sur ça là ça qui est important c'est continuer. Et sous même lancer sa question de l'Ecadien, pour stade nous même tout pour stade madame Sarah et comité 100% diaspora qui pour organiser pour prendre responsabilité li parce que et automatiquement parler de gouvernement départemental et tout le monde représentativité normalement tout département a représenté et Jean-Stan de l'Ecadien c'est organiser nous normalement pour faire avec toute transparence pour plus pour pas ouais sur bagage qui rapport qui gon visage grande 5 même j'avec politique traditionnel et moi Jean Charles. Et justement, nous faisons le clair, et nous avons annoncé avec, et comme c'est Nadjou, tout déplacement dans la presse. Nous dans le nord, nous disons dans le nord, nous dans le sud, nous dans le sud, nous dans le sud-est, nous dans le sud-est, parce que déjà, nous avons une possibilité déjà. Nous avons Boussadjo, nous avons Foucault, nous avons Madame Sarah, et nous avons déjà Jaspo Haïtien qui fait nous confiance. Nous avons peuple haïtien en général qui fait nous confiance, autant de nous, parce que nous avons crédibilité, nous parlons la vérité. Justement, automatiquement, nous campons des bagailles, nous avons campé des tout, parce que nous fait nous confiance. Normalement, en gros, même ça que je dis,
Busta John, c'est que nous avons pile démarche qu'a fait là. Stanley qui a parlé de résolution 2645, 2653. Pour moi même résolution ça, pour que j'aime rentrer en application, gens que nous conseil sécurité nationale te prendre là, pour que j'aime rentrer en application. OK? Ça veut dire que pour moi même c'est des démarches stratégiques qu'a fait là et des diversions. Moi même pas de problème avec sanction qu'a prend yo, mais justement dans résolution 2645 là, yo te dit nous clairement, ni 2653 te dit nous clairement, ni américain qui gagne pas ni monde qui gagne passeport américain de pour impliquer dans acte financier gang dans alimenter gang dans pays d'Haïti, il y a sanctionné normalement, mais je dis à moi en pile rale mené vini cap fait moi quelque part y a dit comme ça que des monde depuis que passeport américain depuis résident américain li bénéficier de légitimité tel bagaille juridique ou pas m'pa connais, mais dans un premier temps m'pa tendez yo te évoqué yo, mais qu'il y a moi gros bagaille cap fait là quelque part m'pa comprendre ni n'a questionner ça toujours m'pa gagne vol avec dossier sanction yo, mais justement pas ici qu'on grine bagarre dans tête li. De pour parler de nèg qui finance gang dans pays d'Haïti. Après à part de tout monde qui est sanctionné là yo, papa ici ouais deux grands monde qui parlent dans tête li. Il y a Reginald Boulos, il y a Dimitri Vob. Deux grands monde ça yo, tout monde connaît yo fraîchement tout le monde dans pays là. Et faut que pays a comme ça, faut que nation comme ça. Zam que yo prend dans port de paix yo. Zam que yo prend sous bateau Miss Lily. OK, c'est Dorsey Berto qui fait zam ça rentrer. Faut que connaît évidemment c'est pas équipe Dimitri Vob. Exactement. Fantôme 69, pour qu'est-ce que tu travailles? Qu'est-ce qui te mettait sous pied? C'est exactement Dimitri Vob, Jean-Marie Vob. Ça veut dire que, quelque part, Fok Nation, hein, même Justin et Lucas Odile, créer focus là. Fixer tête dans la position que nous fixons pour ne pas prendre la diversion. Ça nous besoin, c'est exactement ça qui passe. Parce que nous avons des gens qui mourent et qui continuent à mourir. Et quelque part, moi, quand tu as fait là, ils ont sanctionné des criminels dans le pays d'Haïti et puis des gangs soi-disant, nous avons fait la paix. Mais justement, je dis, nous avons besoin de solution avec ça qui est là. Tout le monde qui est papa gang, yo, maman gang, yo, reste avec gang, ne peut pas alimenter gang, allier gang. Yo. Je dis, il faut que vous allez dans la tête sommaire, justement. Je ne vais pas avec trois gros barons qui vous prennent là. Yo. Tout le monde connaît ces trois chefs de gang, trois criminels, trois assassins qui pas haïtien, qui pas jamais haïtien. Qui va gagner pièce attachement avec pays d'Haïti qui a quoi avec richesse yo. Mais je dis, si la parle de sanctions, nous avons numéro un chef d'un criminel assassin, il y a Reginald Boulos qui actuellement a trouvé aux États-Unis d'Amérique avec criminel assassin, kidnappeur, chef fantôme 69, il y a Dimitri Vob, monsieur Bakar aux États-Unis d'Amérique, comme si nous avons pour la prendre plaisir toujours. Si la parle de sanctions, allez droit au but, justement pour nous connaître qui est-ce qui a sanctionné yo, parce que nous avons pas le droit toujours, il n'est pas possible. Exactement, guys, moi dis nous merci pour l'intervention dans l'émission. Nous vraiment apprécions ça, vraiment. Mais j'ai pas de place à l'échelle internationale ici sous ça. Mais il y a l'autre petit bagage nous va le temps de la talle, oui. Il y a l'autre petit bagage nous va le temps de la talle encore. Moi tout dis nous ça d'avant. Ok, bon Dieu ben nous, Busta, bon Dieu ben nous, Sarah. Thank you, Humberto, good job. Très bien, Kembela. Merci en pile, Busta John. Merci en pile, Madame Sarah. Merci avec toute frema, avec Somyo qui t'attendait là. Mais pas oublier tout à l'heure, n'a pas gagné Foucault 79 qui gagne en brand new music qui fait sortir là. N'a pas gagné Busta John tout à l'heure comme ça sur plateforme YouTube Infobeto. N'a pas gagné Stanley Lucas. N'a pas gagné Foucault 79 ensemble avec nous à partir de 6 h PM dans le pays d'Haïti. Pas oublier ça. À tout à l'heure, peuple haïtien. Busta John, c'est ton plaisir, Madame Sarah. Nous te content ensemble avec nous. Kembela. Merci à vous, mon frère. Nous vraiment apprécier ça tout pour faire ça. Voilà, et exactement, nous faut participer exactement sur la plateforme Busta John, dans l'émission Busta John, avec Madame Sarah et Stanley Lika. Et normalement, papa ici, c'est exactement ce que me dit nous. Qui s'est passé? Si nous n'avons pas de ces sanctions, nous pas qu'à quitter Reginald Boulos dans le pays à toujours. Il n'est pas possible toujours. Il n'est pas logique. Ça veut dire que faut que nous campions pour une bataille. Faut que nous campions pour une bataille avec criminels, faut que nous campions pour une bataille avec assassins. Bla prend sanction, pas de problème, me dit bravo avec trois gros barons qui prend là. Ça dit nous te besoin pour toucher secteur criminel ça, secteur mafia ça. Mais justement, faut nous besoin de gros criminels, de assassins, de qui finent avec pays ça, qui volent l'argent Petro-Caribé, qui finent avec l'argent pays, qui vendent nous blackout pour 12 millions de dollars américains chaque mois dans pays. Boulos débarque dans l'ONA, il prend 2 milliards 900 millions de gouttes, plus 1 million de dollars américains. Ça, il faut qu'il réponde à question sur lui, ça, il faut qu'il paye pour lui. Il faut que la nation, quand paye pour le dîner, il faut qu'il paye pour lui. Et moi, ça fait que, je vais dire que je vais dire chaque haïtien. Je vais dire nous, aujourd'hui, là, nous devons faire légitime violence. Ça fait que je lance une opération. 1 million de monde, 1 million de manchettes. 2 millions de monde, 2 millions de manchettes. Ça veut dire que opération file manchette nous pour nous délivrer pays nous. Éclatement social là, les rivé dans parti pour qu'elle fête là. Faut que nous pété la boule figu nagyo parce que je dis là, nek ça trois méchants. Nek pas j'aime saturer dans tout le monde.
Même ça tuer dans kidnapper moun. Fè l'argent pas n'importe qui moyen. Peuple pas mourir, moun a assassiné. Ti gang a assassiné moun, li pas possible. Pour jodi la m'a gade un bagay. Ti makak. M'a gade vidéo ça franchement, me senti dévasté comme jeune garçon. Imagine nous peuple haïtien. Dernièrement m'entendé ti makak prend trois policiers. Et évidemment, quelques temps après moi la vidéo. Trois policiers mis assassiné avec cartouche. Après ça, il coupe tête yo et puis il fait vidéo yo. Il s'est humilié cadavre trois policiers. Il touye yo et puis il humilié yo. Et puis il voit une réponse là, il voit un message. Bay institution PNH là. Pas jamais rien qui fait ça que fait ça. Parce que nous avons chef de gang dans tête de la police là. Nous avons allié Timakak dans tête de la police là qui est le France LB. Je vais regarder l'autre vidéo là encore. Timakak assassiné trois policiers encore, fait six policiers, il fait même exercice ensemble avec yo. Il coupe tête yo et puis il fait vidéo yo. L'ivoye message, bay reste policier yo. Pas de pièce déploiement qui fait, pas grand yé qui dit, si ma ka continue à balader, à ka l'école dans la boule. Mes amis, de quoi nous parlons? Ce n'a pas de changement, ce n'a pas de l'autre Haïti. Ce n'a pas de comme si m'a dit, bataille pour nous changer pays. Mais franchement, faut que des gens qui ont crédibilité, faut que des gens qui parlent dans gang, qui parlent avec gang, qui parlent avec gang, qui ne peuvent tolérer gang. Et moi, ça a une besoin comme dirigeant. Et ça fait que nous trouvons qu'il est important pour nous prendre le temps, pour nous prendre des interventions délicates, ok, qui allait dans le même sens là, ok, même gens que l'équipe comité 100% diaspora a prôné là, ok, équipe Boussadjon, Madame Sarah, Fondation Boussadjon a prôné là, nous même dans Infobeto nous adhérer, ok, ça que nous besoin un gouvernement interdépartemental, ça veut dire que nous avons chaque grand monde, chaque département a représenté avec deux mounes, yon fille yon garçon dans chaque département, ok, yon fille yon garçon dans chaque département. Diaspora haïtienne nan a bay environ 6 moun. N'a pas organisé nous pour une chita pour nous bay pays en l'autre direction. Pour gouvernement ça pour si c'est mission au mandat que l'a gagné pour 14 mois. Premier bagage pour mettre stabilité dans pays yon. OK, ça veut dire que gérer problème insécurité yon, éradiquer tout groupe criminel yon, fin avec yon, et puis sortir de tout commencer travail sous référendum constitutionnel là et puis diriger nous droit vers les élections. L'important parce que je dis en tout faut que nous re bagage en tout sans les cas sauter voquer là, on va dire bravo pour lui. Côté que nous trouvons que l'important pour nous organiser nous, pour nous ouais, comment nous sommes capables de vivre avec, comme si nous avons dit, activité culturelle dans le pays. Par exemple, nous avons des artistes, nous yo vivent de FVO, yo chantent, il faut qu'ils jouent, il faut qu'ils aient un carnaval pour l'État payer. Mais je dis que le carnaval n'est pas fait dans le pays. Qui ça fait ça? Parce qu'on a un groupe criminel qui est dans la politique qui crase toute tradition. Nous je dis que nous devons penser avec les artistes. Mais quelque part, tout, nous devons sur le Jovenel Moïse, tout artiste, alors la majorité artistes a fait manifestation. Mande Jojo la gepio. Mais je dis, n'est-ce que tout yé Jojo, et puis tout artiste est en silence. Et comme si m'a dit, pas besoin de jouer encore, et pas besoin de faire carnaval encore. M'a pas de problème, quelque part m'comprenne nous. En pile, nous, Dimitri va payer nous. C'est Dimitri qui mette nous dehors dans le chat, dans le carnaval. C'est lui qui mette nous dehors pour nous faire marche contre le président. M'comprenne nous. Mais justement, m'a pas de problème avec nous. Nous, c'est haïtiens, et malheureusement, c'est vicieux, nous, t'es vicieux. Ok, je dis m'a dit honnêtement, nous sommes capables de travailler normalement pour nous bénéficier. Et comme si m'a dit, ça nous fait des œuvres, nous pas obligé de chouchouter le monde, nous pas obligé de tuer le monde. On va déjà commencer à juger des gens qui sont dans l'État pour protéger les gens qui sont dans l'État, les gens qui sont dans le secteur. Non, ou sont artistes, ou on va bien plaisir avec tout le monde. On va aller pour un groupe. On fait manifestation contre le président. Et puis l'équipe pour finir tout le président, ou être dans le silence, ou faire même bien coup. Bon, artiste, ça, nous, surtout pour petit vol, sans salir les isolants. Patron, son kidnappeur, chef fantôme section 9, il y a les Ralphie ou Chevry. Je dis à M. Aïssé comprendre que le bataille, il doit lancer. Il doit lancer et sous toute base. Sous toute base, la bataille doit lancer. Et chaque grand dans nous doit assumer responsabilité non, pour que nous gérer la situation. Ça. Chaque grand haïtien doit camper pour battre contre M. Sayo. Peuple haïtien, nous devons continuer, goumen, parce que chaque grand là, et n'est pas petit du tout. C'est chaque grand haïtien qui peut mettre en patte là pour nous délivrer le pays. Non. Et peuple haïtien, la bataille là, elle continue et elle continue dans tout sens. En avance, peuple haïtien. Dossier assassinat président Jovenel Moïse, nous en pile diversion, en pile tractation à fait. Mais justement, m'a dit peuple haïtien, nous comprenons, nous comprenons. Nous essayons de kounya ou tande. Et New York Times a fait déclaration là, du konsa que, oui, selon enquêteur américain, tel bagay, gen un monde qui a accusé yo, qui soit disant dit que c'est des gros l'argent que t'as pris dans Jovenel Moïse. Jovenel Moïse de complicité avec des nègres qui n'ont drogue pour faire Haïti servir comme pont. Ou bientôt comme passage, comme axe pour expédier cocaïne. Menti.
menti, m'a dit chaque fois avec soi-même, pas prendre ça, parce que dossier assassinat Jovenel Moïse là, li pap campé. Pour qui ça? C'est 7 décembre, yon la gueule pour nous. C'est pendant que Madame Martine Moïse requise juge là, avocat pour Madame nan requise juge là, yon m'a dit juste ça pour le déporter le dossier, le dossier justement, et m'espère que chaque grain femme avec soi-même, captant de nous, et cap garder nous dans moment, continuez camper derrière plateforme ça que n'a regardé là qui c'est plateforme YouTube Info Beto. Parce que bataille ça m'pa ba nous mentir, c'est bataille pas nous, et c'est nous mêmes seulement qui capable permettre que Haïti sorti dans trou ça que le trouver là. Jovenel Moïse comme président de la République, il était bravé danger, il était fouillé et maintenant dans sang pour nous mêmes peuple là. Effectivement, pour nous être capable de joindre. Alors, ils ont allé mieux. Mais au cours de la route, comme il y a de la route, mais ça fait là, monsieur, il est incontournable pour que monsieur, justement, fasse retrait. Et maintenant, la seule solution, c'était tout le président. Et effectivement, il y a tout le président vrai. Dans le boulot, tout le monde, et même dit pas de problème. Je dis à chaque grand haïtien, doit camper pour dire. Bataille que le président Jovenel Moïse a peine, l'a continué. L'a continué sous toute forme, peuple haïtien. L'a continué sous toute forme. Et m'espère que nous mettons son entaille nous pour nous faire bataille ça avec coalition d'assassins, avec groupe criminel ça, qui te prend pays en otage, qui te pensé pas d'abjam de moun, qui t'a gagné courage pour garder dans les yeux. M'a dit, monsieur, c'est bien compté et mal calculé. Gede haïtien conséquent. Gaïe se qui gen courage toujours. Gaïe se qui gen nam. Gaïe se qui kod l'ombre qui marié avec pays d'Haïti. L'esprit yo. Ou comment ça met Jolan? Marié avec pays d'Haïti. Et bien, dans souci, dans objectif ça, n'a continué bataille ça jusqu'au bout contre criminel ça yo, contre assassin ça yo, pour nous délivrer pays nous. Parce que Haïti, li besoin délivrer. En bas griffe, colon gang ça yo, colon assassin ça yo qui prend pays ça en otage. Parce que ça gen là, m'pap ba nou menti. Mais si vous pas pensé qu'elle t'a privé là. Si vous t'ai pensé que les fin tout Jovenel Moïse, vous t'a joindre ça, vous a vivre là, m'pas bon mentir, pas tout yel. C'est parce que quelque part et médias traditionnels yote ba au garantie et que y a assez capacité pour casser faire couvrir ça même j'ai été fait pour assassiner caractère président. Et mais effectivement, nous même comme peuple, nous montrer nèg yo, c'est bien compté et mal calculé. Oui, nous assassiner président. Mais justement, nous considérons le président Jovenel Moïse comme un sacrifié pour la République d'Haïti. Mais effectivement, papa nous menti, nous prenons l'assassinat ça pour s'allier. Et nous avons servi avec elle. Nous sommes comme choix de bataille nous, pour nous battre avec Negio et pour nous battre dans tout sens avec Negio et pour nous battre pour nous délivrer. Parce que nous avons une bagarre qui est dans tête. La seule possibilité, la seule solution pour Haïti changer, c'est avec absence chaque grain de yo qui détruit Haïti, qui crase le pays, qui touille le monde, qui touille le président. C'est une abstention. Et c'est la seule solution pour Haïti Pam, Haïti Paul, Haïti qui nous réveille, Haïti qui est dans la diaspora, a souffert pour lire. Mais justement, c'est exactement la bataille pour nous éradiquer dans le pays, pour nous, pour que nous délivrions le pays nous définitivement. Le président Jovenel Moïse mourit pour décision ça. Meni, Andadil. Il y a un groupe qui est dans le gaz. Qui a 50 ans dans gaz, l'État n'a pas jamais pris gaz, parce que c'est l'État qui a commandé gaz. L'argent l'État, oui, qui a commandé gaz, et puis l'État n'a pas pris gaz. Donc, ils vendent l'État dans le prix qu'ils veulent, ils font comme qu'ils veulent, et puis le président vient, dit, monsieur Bayer, on va continuer comme ça, nous tuons le président, en tant que président Jojo. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, mais nous-mêmes, nous sommes clairs. Ça n'a pas fait aujourd'hui pour le pays. Après 4 ans, nous avons gourmand avec une série d'oligarques corrompus, des gens qui décident qu'un bébé pays ça. Qui est l'État que m'a dirigé, il prend en otage. Moi-même, je décide aujourd'hui de retirer l'État en bas griffio. Ça veut dire que c'est des tigres qui mettent l'État en bas griffio. Moi-même, comme un chasseur aujourd'hui, je retire les tigres. Et m'appelle. Et m'a dit ça. Devant la caméra, le monde entier, le pays ne peut jamais tourner comme ça encore. Nous ne pouvons jamais des oligarques corrompus qui comprennent que Haïti c'est pour eux. Haïti c'est pour les gens. Haïti c'est pour moi à petit point. Haïti c'est pour journalistes ou elle a petit. Haïti pas ka pour 5 moun, pour 6 moun, pour 10 moun. Moun sa yo, moi mande yo, nan non peuple ça. Mande yo un break.
Oui. Et c'est break ça, vous parlez pas moi, m'a tapé au sous mer pour bail. Parce que c'est la loi que bon me doit faire ça pour me dire à partir de aujourd'hui à payer à mon président dit non et non monde qui pas entendre m'a pas entendre. Parce que yo tout parler créole, yo comprendre créole. Peuple a dit le bouquet. Li bouquet avec un catégorie monde par exemple, produit pétrolier avec vous. Depuis 50 ans, bon monde qui n'a pas produit pétrolier, il relève dans le téléphone. L'on a un téléphone au président, ou comme ça veut dire, pour dire que le président va la pète depuis 50 ans comme ça. Ça veut dire depuis 50 ans, on a acheté gaz là, non prix X, il a demandé non prix Y. Pendant qu'on a parlé aujourd'hui, aux États-Unis, il y a un indice prix qui est plat. C'est SP Global. C'est lui-même qui a un discours ça sous marché boursier américain. Haïti, son pays qui consommait 42 millions de gallons de gaz par mois. Ça veut dire Haïti éligible pour un discours ça. Et pourtant, un discours ça que Haïti éligible pour l'IA, par exemple, je ne dis pas. Parce que y a acheté dans la plate ça, les ovins ici, comme Haïti, son pays qui est dans le Caraïbe là. Yo vend gaz là, bah l'État haïtien a un dispute qui est le Caribbean Posting. Différentiel prix, qu'on environ 1 dollar, on fait un exercice. Multiplier 1 dollar par 42 millions de gallons, ça fait par mois, moun sa yo. Qu'on fait 42 millions de dollars chaque mois sous d'eau, moun sa yo. Et y a pas de route, y a pas d'électricité, y a pas d'hôpital, y a pas d'école pour tout le monde aller. Pays a déboisé, nous avons besoin de reboiser. Pays a pas un barrage d'irrigation pour construire et puis l'argent qui t'a supposé qu'on fait ça, il y a dans poche en minorité qui ont même décidé, c'est eux qui décident pour payer, c'est eux qui disent ça ici. Nous ne parlons pas d'affaires idéologie politique. Nous ne parlons pas là son capitaliste. Là, il dit nous sommes entrepreneurs. Même son entrepreneur qui connaît que l'homme fait business, moi je vais payer taxes, moi je vais respecter ça la loi dit. Profit, c'est de l'individu. Mais je dis, on a été mon catégorie de monde. Yo dou que yo nage dans des eaux troublées. C'est le pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme yo. Maintenant, aujourd'hui, nous même notre travail pour nous quitter le pays à bail. Moun ka bin pou diriger là, notre stabilité politique qui permet Haïti nous rêver. Pour petit nous, nous jeunes. Effectivement, c'était déclaration du président Jovenel Moïse dans sa qui est pour avec dossier et produit pétrolier dans le pays d'Haïti. Puis de ces gaz. Et peuple haïtien. Bataille l'a continué et l'a continué sous toute forme parce que je veux dire là nous connaissons avec qu'est-ce que nous en a fait, nous en a fait avec des kidnappeurs, il y a une politique là, ok, il y a un secteur et des affaires là, il y a un kidnapping, ok, et il y a un kidnapping, il y a déstabilisé pays, il y a des armes tout partout, c'est à dire que il y a crasé pays en même temps, il y a fait l'argent parce que il y a quoi, il a fait l'argent dans instabilité parce que à travers instabilité il y a généré pile l'argent, il a rentré en pile l'argent et nous well kidnapping ça il va négocier plus passer 80 millions de dollars américains dans environ 2 l'année. Nous va comprendre. Papa ici moi mais nous en pile et c'est toujours un plaisir pour moi pour commencer ensemble avec nous sur plateforme Banor qui sur plateforme YouTube Info Bétoa. M'a dit nous kembe la balague, kembe la palague et à bientôt. Moi mais nous en pile. Info Bétoa.